Bonjour les amis, voilà, regarde comme il est belle le matin, un bon paysage le matin, elle est vraiment magnifique. Voilà. Et voilà notre petit déjeuner avec un très bon vue. L'eau naturelle de la source. Vraiment, c'est un très bon source. L'eau, elle est parfaite. Et voilà, je continue notre vie. Je vois un petit jardin. Et voilà la laine. Et voilà, ça c'est comment on travaille la laine. On le travaille avec le bâton pour que ça vienne nettoyer. On le nettoie. Voilà. Et comme ça la laine, vous avez la femme comme elle le nettoie. Parce que la plupart de laine, ils sont tout sales, avec des moutons. Et voilà, là, elle le pose là. Voilà, là, il commence à nettoyer. Il le met en fait sur l'eau. Et après, ça vient tout propre. Et voilà, on est arrivé dans la vallée. Et comme vous regardez ici, c'est la place très connue pour les pommiers. Regarde, ils ont des très très bonnes pommes. Voilà. Regarde la pomme naturelle, bio. Pas de produits chimiques, rien du tout. Le pomme marocain. Regarde avec toutes les arbres de pommiers ici. C'est vraiment magnifique. Et voilà. Voilà, regarde le silence du pays, le silence, la tranquillité. Ici, vous pouvez venir ici faire la balade à pied, ou bien vous faites la balade sur les mules. Ils ont pas mal de mules ici, et vous pouvez faire la balade à pied, il n'y a pas de dérangement, vraiment assez bien. Et la verdure sur tous les côtés. Voilà.
Voilà, t'as vu? Là, nous sommes dans les fermes du pont. Et voilà, là on est sorti de faire un petit balade. Là on va faire la découverte des femmes berbères qui font le tissage du tapis. Et là on va leur visiter, de faire un petit visite et de vous montrer comment on travaille les tapis berbères. Tout est fait à la main. Comme on a vu ce matin, comment les femmes lavent la laine. Là on va voir comment les femmes travaillent. Comme vous regardez ici, voilà, ça c'est la laine. Quand les femmes ils font laver, là ils le mettent ici au soleil pour être séché. Et là ils le ramènent à la maison pour les tisser les tapis. Et voilà. Voilà, c'est comme ça ils font la laine pour couper les nœuds avant d'utiliser en fait sur les tapis. Voilà. Et travaille les tapis. Là elle commence à faire le tissage. Là c'est le travail avec du nœud. Voilà, t'as vu, la femme là elle commence à passer le fil de laine. Voilà, bienvenue. On est dans les montagnes chez les femmes qu'on a dit ce matin. On va le visiter. On a déjà visité comment laver la laine, aussi comment faire sécher la laine et après comment on coupe la laine qu'on a visité au début. Et là, on va regarder comment les femmes travaillent les nœuds. Là, on peut taper, voilà, le travail c'est toujours les nœuds. Ici, elles font toutes les nœuds. Et après, de les côtés, en fait, parce qu'il y a deux travails. Il y a ici, là c'est le tissage. Et de le tissage, il y a toujours il y a deux fils à trois fils. Et après, il y a les nœuds. Et là, c'est pas la nœud normale. C'est pas le double nœud. Voilà. أسرائيل هذا علم بس هذا
On est invité chez un ami de la région voilà, pour voir comment j'ai un bon tagine. Regarde, tagine avec du légumes. Soyez la bienvenue. J'espère un jour vous pouvez venir ici pour goûter son potager. Avec plaisir, marhaba. Aujourd'hui, il est bien s'occuper de nous. Regarde la grande salade pour deux personnes. Deux personnes gourmandes. Voilà.